Alors, du coup, bonjour Nibbler toujours. Je pense qu'on va essayer de faire. On va quand même essayer de le faire jusqu'au 50. On va essayer de voir. Parce que j'ai quand même un 31 à préparer, autre que juste faire du ouverture facile. Et oui, mon fichier JPG est vide d'image, mais il a quand même un poids. Comment tu pourrais lire les infos dedans? C'est exactement ça, je suis en train de chercher dans ma tête. Je sais pas trop. Moi, je pensais qu'il fallait reconstruire le zip, tout simplement. Parce qu'en fait, si je change juste le nom de l'image... Je sais que ça se fait, encore, je pense. De dire le nom de l'image et de dire « Oui, mais en fait, c'est pas une image, c'est un zip », ça pourrait être suffisant. Donc je vais tester. Malheureusement, ça va être difficile de vous le montrer. Donc voilà, je vous le dis au fur et à mesure. Voilà, je vais changer l'extension, quoi. Je vais dire en plus Nibbler, parce que vu qu'il y a le décalage, je pense que... Voir si ça marche. Comme ça, je te l'écris, c'est plus simple, tu l'auras peut-être plus tôt que ça. Bonjour le chat. J'espère que tu vas bien le chat. Je vais changer. Modifier la taille du fichier. Donc la taille du fichier est toujours de 15. C'est comme si on avait un zip dans un zip. Donc normalement, si je le renomme uniquement, je pense que ça peut déjà marcher. Alors, est-ce que c'est zip qu'il faudrait que je note? Non. En fait, il faudrait que je le re-rende son extension d'origine. Parce que pour moi, c'est ça. Et j'ai l'impression de l'avoir aussi déjà fait. Donc, peut-être un rare. Je sais plus. Avant, on pouvait le faire juste en renommant. Mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Voilà. Je pense pas que le renommer sera suffisant. Par contre, changer sa propriété. Modifier. Alors je vais changer l'ouverture. Je vais essayer de l'ouvrir avec WinRAR, tout simplement. Voilà. Appliquer. Là, il a réussi à le changer. Donc, logiquement, il devrait pouvoir me réouvrir. Je creuse, comme il disait. Et il y a quelque chose encore dans le zip, qui s'appelle zip. Et à l'intérieur, la musique. On va trouver, hein. Qui a un zip, musique. Et là, ils disent music.jpg, the archive is ever in a new format or damage. Donc il faut que je change encore. Et cette fois-ci en JPG. Alors, je vais mettre à jour du coup Nibbler. J'ai réussi à transformer du coup le JPG en zip. Et j'ai trouvé le dossier musique qui est .jpg mais qui apparaît en zip. Qui apparaît en zip. Voilà. Donc comme ça au moins tu t'es mis à jour et là je vais du coup redemander à ce qu'il l'ouvre en tant qu'image. Je pense que c'est plus court de l'écrire du coup. Ça va le chat? Je vais regarder, j'ouvre musique.jpg, voir. Mais vu que c'est de la musique, est-ce que ce serait pas de autre chose, genre du MP3? Donc du coup, je vais l'écrire pour Nibbler. Ne serait pas... du MP3. Je me pose la question... Parce que justement, le JPG ne s'est pas ouvert. Et ce qui est vrai, en fait, il m'a. Je me pose la question parce que justement, le JPG ne s'est pas ouvert. Musique.jpg, il semblerait que nous ne prenons pas en charge le format de fichier 10. Exactement. Donc je vais changer. Je vais ouvrir avec VLC. On va voir ce que ça donne. Hop, propriété, ouvrir. Et cette fois-ci avec VLC. Alors VLC qui normalement devrait aussi lire les JPG. Donc être évidente la réponse. J'espère pas. J'espère pas que c'est aussi évident.
Ça va? Tu veux venir? Viens le chat. Donc on est accompagné. J'essaye d'ouvrir avec VLC, j'ai l'impression que la VLC prend son temps. Ce fichier contient un indice. Alors, est-ce que vous avez entendu ou il faut que je le remette? Je vais le remettre au cas où, parce que là, il y a le chat en plus. Ce fichier contient un indice. Ce fichier contient un indice. Bah, il y a un marqué musique.jpg. Ce fichier contient un indice. Bah, je l'ai transformé déjà en JPG, madame, monsieur. Je vais regarder du coup le fichier à l'intérieur du fichier, qu'est-ce qu'ils disent? Je remets la musique. Je mets à jour Nibbler. Du coup, c'est le fichier, il s'appelle JPG donc. J'ai déjà essayé de l'ouvrir mais du coup, il faudrait peut-être que je change tout simplement l'extension. Je vais faire en sorte de le renommer. Et en fait, le truc, c'est que le point JPG, ça va pas m'aider. Même si je le considère comme un JPG, lui, il le considère toujours comme un JPG là. Je sais juste que je l'ouvre avec autre chose. Mais si je l'ouvre avec l'image, je ne trouve rien. Donc il faut que je vois dans le JPG, il faut que j'aille dans le X. Dans le X, j'imagine. Et oui, le hexadécimal du fichier. Que X-Editor, je l'ai enlevé. Je sais pas si en plus, par exemple, Atom il ouvre ce genre de fichier. Je crois que j'avais déjà posé la question la dernière fois, mais. Je vais regarder Bloc-Notes. On va ouvrir dans Bloc-Notes. Alors, dans Bloc-Notes, c'est plein, 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 plein d'écritures. Codé, crypté. Beaucoup de Y. Avec des trémas dessus d'ailleurs. Il y a l'air d'avoir une erreur. Ah! Ballon.html! Ballon.html grâce à Bloc-Notes. Voilà, au moins t'es mis à jour en Nibbler en in live and direct. Ça me fait. Ah bah attendez, j'ai oublié de lancer le. Excusez-moi, j'ai oublié de le remettre. Resume. Alors, de toute façon, on a trouvé ballon.html, c'est bon. Hop, je vais enlever tous ces fichiers qui m'importunent sur moi, sur mon ordinateur, parce que je n'ai pas besoin de ça. Pas fini, je pense. Je vais essayer. Je veux essayer. Je vais essayer. Ballon. Ah. Fonctionnable. Non fonctionnable. J'ai tout enlevé. Mince, faut que je fasse CTRL Z. Donc, je vais réouvrir. Maintenant, pas le zip, du coup. Ah, si, si. Pourquoi si, si? C'est HTM, peut-être. Je vais regarder juste 3 secondes. Alors, 3 minutes, je réouvre dans un bloc-notes. Ah, faut que j'étudie. Alors, attends. Ballon.html, bah si, du coup, c'est ça. Tag. Voilà. Ballon.html. Du coup, il faudrait que j'étudie ballon.html. Je vais. Alors, du coup, code source. Et là, je vais pouvoir vous montrer. Code source. Pour Nibbler. Je montre le code source. Pic 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 pic
pipi 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 pipi. Donc tu vois, même le petit décalage de 3 minutes, ça va, tranquille. Dev, hop. Terminé. Faut juste que je déplace le truc. Et voilà. On est bon. Ok. Erreur 404, no index, ouverture facile. Shortcut. Erreur 404, body, center, réfléchissez, favicon. Pourquoi ça veut pas... Description, shortcut, réfléchissez. Bravo, bravo, merci. Je vais mettre Oura pour leader. Et je crois qu'on est passé au 48. Oui. Il y a des couleurs, il y a des lettres. Alors sur le vert, il y a marqué 69. Alors je vous montre. Sur le vert, il y a marqué 69 et 03. Sur le bleu, il y a marqué... Alors je vais noter peut-être, parce que ça va être plus intéressant de noter. Oui, le chat, oui, je sais. On est là. T'inquiète pas. Niveau 47. Donc sur le vert, il y a 69 et 03. Et en bas, 03. Sur le bleu, il y a marqué 3. Il y a un point d'ailleurs. 3 points. Et des deux côtés. Bleu, 3 points. 3 points. Sur le jaune, il y a... j'arrive pas à lire. Il y a pas de, il y a, j'ai l'impression de rien voir sur le jaune. C'est ça qui m'embête. Alors, ah oui, d'accord. Ça passe au-dessus. Ça passe en dessous. Logiquement, pour faire du vert, il faudrait du bleu et du jaune. Peut-être qu'il faudrait que je calcule, je sais pas. Le rouge, il a l'air d'avoir rien. Le orange, rien. Le violet, rien. Donc, logiquement, si on fait le bon système, c'est un peu, ça ressemble un peu à ça. Le problème, c'est qu'il faut du rouge pour pouvoir faire du... donc, voilà, comme ça. Il faudrait le rouge de ce côté-là et de ce côté-là. Bon, on va le mettre de ce côté-là pour l'instant. Comme ça. En fait, il y a un rapport de voilà. Trésor du Farfadet. Ok. Super. Oui, c'est le, grosso modo, c'est le... Voilà. C'est... Tac, comme ça. Comme ça. Et le jaune et le vert, normalement, ça devrait être là. Derrière. Mais il y a des lettres. Il y a des chiffres. Il a caché le trésor dans cette ville. 69 et 03, bonne question. 3 et 3, ok. Dans quelle ville? La ville de... la ville de l'arc-en-ciel. On va regarder un peu le code. Le code. Qu'est-ce qu'il me dit le code? Oui. Et il faut que je trouve une ville. Il faudrait que je le mette dans l'ordre, en vrai. Est-ce que le... Par exemple, le... Alors, on va regarder l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, est-ce qu'il y a... en fait, c'est la dys... Comment on dit, déjà? C'est la dystrophie... Pas la dystrophie, c'est la... Dystrophie, c'est autre chose. C'est la distraction des couleurs. La diffraction. Diffraction des couleurs. Je crois qu'il y a... Il y a Y, mais c'est pas grave. La diffraction des couleurs. Voilà. Hop. Je
Je cherche du côté de la diffraction des couleurs. On accepte, hein. Ah mais c'est pas light side, attends c'est pas dark side of the moon genre. Tout ça pour... Je revois des bêtises à Nid Blanc en passant. Bon c'est pas très clair la Futura Science, moi je veux juste peut-être un truc la diffraction des couleurs, la version simple quoi. Je veux cette image en fait. Donc voilà. La diffraction des couleurs, c'est violet, bleu. Alors on va faire comme ça. Le spectre. Donc violet, bleu. Ensuite ça passe au vert, jaune, rouge. Vert, jaune. Et du coup le orange, il est orange, rouge. Ouais, c'est ça. Donc on était pas loin de ce que j'avais fait déjà. Donc ça c'est pas mal. Alors, je vais regarder après pour le spectre des couleurs, mais c'est ça en fait. Petite longueur d'onde et longueur d'onde, je pense que c'est exactement ça. Donc, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, oui c'est ça. La diffraction, c'est exactement ça, on a toutes les couleurs. Et il y a des longueurs d'onde, bien entendu. Donc on va regarder ça, ça a l'air pas mal ça. Et on va regarder le spectre pour voir. Il y a une différence dans les termes. Longueur d'onde en nm. Le spectre complet, couleur et longueur d'onde. Le spectre de la lumière. À 10 puissance, nan nan nan, 400 à 800. Il y a Wiki, il y a Wiki qui est ouvert. Couleur Wikipédia, bam. Ça c'est quoi? Donc addition soustraction. Oui parce qu'il y a aussi ça, hein. Il y en a qui se passent dessus, d'autres non. Donc ça c'est. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important derrière, potentiellement. On va voir. La longueur, elle part de 400 et va jusqu'à 700. Donc si ça c'est 400 et ça c'est 700. Il y a des chiffres sur le bleu et le vert. Les autres, ils n'ont pas de couleur. Enfin, ils n'ont pas d'écrit. Alors du coup on continue notre petite recherche. Les pigments. Ok. Donc c'est ça en fait qu'on voilà. Là, le spectre lumineux, le bleu et le vert, logiquement c'est entre. Le bleu et le vert, c'est entre 450 et 550. C'est les spectres visibles avec les raies de Fraunhofer. Fraunhofer. Oui, ça c'est le rapport à la lumière, c'est ce que calculent, je crois, les appareils numériques. Longueur d'onde dans le vide. Est-ce qu'on a un truc qui se retrouve? Oui, on a le violet à 3,3, mais le truc c'est que nous on a dit que c'était le bleu à 3. C'est là. Le bleu il est à 3. Là, je suis tombé sur des chiffres proches sur les photos. C'est pas exact. Hein. Alors, si t'as un moyen de faire apparaître des chiffres qui seraient moins visibles. J'ai trouvé le 8. J'ai trouvé sur le violet.
8 pour l'instant. Je note. Alors du coup on avait dit violet, du coup c'est avant. 8. C'est, alors vous voyez pas trop mais c'est écrit. Et on dirait qu'il y a un 4 en bas. Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que t'as le chat là? Du coup pour le violet ça a l'air bien. En fait faudrait juste que je le mette au-dessous ou en dessous. Ouais c'est ça. Ouais ça réagit bien. Avec le 4 ça réagit bien. En superposition ça marche mieux, c'est ce que je suis en train d'écrire. Je check les autres. Mais le chat ça va là, tranquille, tu peux voir le micro aussi. Ça c'est bon. Le vert c'est bon, le jaune, le bleu. Le jaune est plus compliqué. Le orange ça devrait être le violet aussi, ça pourrait aider le violet. Le violet c'est 8 aussi. Alors le orange c'est vieux, c'est... D'ailleurs le violet c'est moins 8. C'est moins 8. Et orange c'est 8. On dirait un 4 là. Hein. Non, c'est un 3. Orange, c'est 3. Je m'approche énormément de l'écran, je suis en train de m'exploser les yeux. Donc violet, c'est moins 8 et 4. Je continue avec mes notes. 2 minutes. Le chat, t'es bizarre. Hein. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui. 8, 3. Donc on a dit... pour le orange. Je vérifie quand même. Oui, on dirait bien un 3, mais je suis pas sûr. Je vais zoomer. On l'avait vu là bien, on voyait bien une 3 secondes. C'est un 4. Pour le violet, c'est bon. Ok, on monte. Pour être sûr, moins 8, 3, c'est bon. L'orange est difficile. On l'a vu juste avant, on le voyait bien grâce au violet il y a 3 secondes. Là on le voit plutôt bien, je vais zoomer avant encore. C'est un 3. Pour moi c'est un 3. Je zoome arrière. En fait ce qui est important là c'est le... la qualité de l'affichage de l'écran. 8. Donc ça c'est bon. Il faut qu'on trouve le jaune. Parce que le jaune ça va être le plus compliqué je pense. Et le rouge, on va essayer de zoomer directement sur le rouge, on va voir. Logiquement c'est compliqué avec le rouge. Il faudrait que je change la saturation sur mon écran en même temps, c'est peut-être plus simple. Je vais essayer de checker avec le... Voilà, on le voit mieux là. Le orange, on l'a déjà pris. Avec le jaune, juste. Le jaune, logiquement, je pourrais le trouver avec le bleu. Je sais pas pourquoi logiquement, hein, mais... j'ai du mal à le voir. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Alors je vais faire un topo à... J'ai fait un topo. J'ai du coup orange, violet, bleu et vert.
le jaune, il va falloir que je modifie mon affichage, je pense. Je vais d'abord regarder sur retour avant de modifier. Parce que... Alors, juste 3 secondes, hop, on change d'écran pour voir. Parce qu'il y en a un qui est plus sombre que l'autre. Deux pour le jaune. Le en bas c'est 2. Donc là c'est une question d'affichage. Ça joue sur ça joue uniquement sur la qualité d'affichage de votre couleur et sur la capacité de bien voir. Et en haut c'est 9 pour le jaune. Voilà. Donc ça m'a aidé et je vois le rouge. Je mets à jour Nibbler. Et le rouge. Et je vois le rouge, ça c'est bien. 4. Et en bas. Et tout ça juste en changeant d'écran. Donc comme vous avez pu comprendre que en fait l'idée c'est que les couleurs ne s'affichent pas pareil partout. Il y a des systèmes par exemple moi là j'ai un truc au LED et l'autre avec d'autres LED qui sont pas directionnels forcément, donc ça joue beaucoup sur la manière dont si c'est un panneau ou pas. Voilà, donc du coup il faut que je le remette dans l'ordre, je crois que c'était ça, non, je sais plus. Et que j'essaye de voir du coup ce que ça sort comme couleur. Violet, bleu, vert, jaune, orange. Donc jaune, orange. Voilà. Et on essaye de faire un. Et du coup ça doit me donner les je pense que ça doit donner les trucs. Ça doit donner les trucs de géolocalisation. Je vais écrire ça pour Nibbler, donner la géolocalisation, je pense, parce qu'il y a des points. Un point au deuxième. Alors, c'est pas exactement la géolocalisation, mais le fait qu'il y ait un moins au début pour le. Et un moins pour le. Donc en fait, vu que j'ai rangé dans l'ordre, par exemple violet, c'est le premier, donc ça fait moins 8, ensuite c'est le bleu, donc c'est 3 points, ensuite c'est le vert, c'est 69, et ensuite c'est le jaune, 8, orange, jaune c'était 9, excusez-moi. 9. Oui, 69, 9, 8. Ensuite pour orange et rouge, 4. On va voir si c'est ça. Ensuite, l'autre c'était un plus, donc 4 pour le violet. On recommence pour en bas. 3 points. 0, 3 cette fois-ci. 2. Le jaune 2, le vieux orange 3 et le dernier, le rouge 7. Et du coup on se retrouve avec un code qui est ce code là et on va aller chercher. J'enlève tout ça, hop hop hop. Oui, bon, attendez, mettez de l'espace, s'il vous plaît. Tu vas pas l'afficher, ça? Bon, comment on avait fait, c'était... point, c'est les points cardinaux, ça? Non, c'est pas les points cardinaux, c'est les... Comment ça s'appelle? Oh,
pas les points cardinaux, c'est géolocalisation. On va faire un truc géoportail, ça peut aider. On va faire open map. Je crois que c'était OpenStreetMap qui nous avait aidé la dernière fois. Parce que c'est moins lourd que Google Maps, tout simplement. Donc est-ce qu'on a le bon 84, 333, vas-y. On est où là? C'est l'Antarctique? Flint? Là, il trouve plus facilement à Flint quand c'est l'inverse. Montre-moi là. Ouais, à Détroit, Flint, ouais. Zoom. Harriet Street. Bon, on n'est pas dans. Qu'est-ce qui s'est passé à Flint? Trésor du Farfadet. Ok. Il a caché le trésor dans cette ville. Bah, Flint. J'écris Flint. On va voir. Si c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. 49. Alors, quel est ce... Donc, c'est Daisy. De Daisy Duck. Daisy Duck. Voilà. Je vais juste essayer Daisy, on va voir. Parce que moi je connais le perso, mais ça se trouve, je pense pas que ce soit ça. Ouais, c'est pas ça. J'annonce qu'on a fini. Hop, même gars, autre groupe, quel est son nom de famille? Même gars, autre groupe, quel est son nom de famille? Bon trip. Trip, même gars, autre groupe. Je regarde le code, vite fait. S'il y a plus d'indices. Bon trip, non. Flint SWF, il n'y a pas grand chose de plus. Flint SWF, pas grand chose de plus. Daisy, ça doit être un indice. C'est une pièce, c'est un groupe. Un groupe Flint. Un groupe Flint. Musique. Kiff Flint. Même gars, autre groupe. Ah, il a l'air sympa lui. Bah, il est décédé. Il a fait quoi comme groupe? Genre musical, musique électronique, ok. Essex. Alors, il a fait Prodigy. Ça doit être ça. Parce que c'est l'époque. Peut-être The Prodigy, parce que c'est The Prodigy. Je vois presque plus rien à cause du fait que c'est bientôt la nuit. C'est pas The Prodigy, donc d'accord. Ça doit être dans ce groupe-là. En duo avec Maxime, en 1966, Fire Sutter, il y a l'album The Fat Land, ok. Est-ce qu'il a un autre groupe? A fait rénover, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est pas Prodigy, ouais. Ok. C'est pas le bon gars? Je vais juste demander si c'est pas le bon gars. Alors, ah oui, c'est pas le même mec, je crois. Non? Si, si. Même gars, autre groupe, quel est son nom de famille? Ah oui, donc du coup, c'est même gars, autre groupe. Le même gars. Un autre mec qui s'appelle Kev Flint. Et un autre mec qui s'appelle Kev Flint. Kev. Et un autre mec. Et tu as un autre mot dans les indices. Même gars, autre groupe, quel est son nom de famille? J'ai un
autre mot dans les indices. Même gars, autre groupe. Quel est son groupe favori? Dans le bon trip. Bah j'ai Duck, Daisy, ok, Daisy Flint. Genre. Non, c'est pas, c'est même gars. Daisy Duck. Même gars, autre groupe. Quel est son fan? C'est Picsou là. Genre. Mouse. Vu que c'est son nom de famille. Non. Il y a qui d'autre? Même gars. Donc c'est un duck, j'imagine. Autre groupe. Et c'est du coup, c'est... C'est... Est-ce que c'est le groupe des ducks? Ou c'est... Attends, je vais faire. Le groupe des ducks ou les groupes des filles? Ah, un musicien de dubstep Caspar, ok. Liam. Kif. Leroy. Daisy et Trip. Daisy et Trip. Bon trip, c'est le mot indice. Donc Daisy et Trip, on va voir ce que ça donne. Tripping Daisy, mais je connais pas moi. C'est ça? C'est le même gars? Même groupe? Je connais pas moi, c'est quoi ça? I Got a Girl, États-Unis, Wes Bergson par overdose après la séparation du groupe, une partie des membres se retrouve au sein du groupe polyphonique Spree. Ah, il ressemble à ça par contre. Ça ressemble à ça. Oh, mais c'est grâce à toi la Nibbler. C'est grâce à toi là. Et donc c'est Polynique et Polyphonique Spree, le groupe, et il faut trouver le nom de famille maintenant. Donc alors attends. C'est pas Daisy Duck, c'est pas Keith Flint. Donc c'est qui? Wes Bergson, après la séparation du groupe, une partie des membres se retrouve aussi. C'est le même gars. Le groupe se sépare à la mort du guitariste, Wes Bergbun. C'est que ça le nom? Bergbun? Alors il y a quelqu'un, y a quelqu'un qui, du coup, même groupe, même gars. Quel est son nom de famille? Ce groupe est surtout connu pour I Got A Girl, qui fut un succès aux États-Unis et en Europe. Le groupe se sépare en 69 à la mort du guitariste et du leader. Après la séparation. Ouais, je suis en train de regarder. Bah du coup, le même gars, ça devrait être... Est-ce qu'il y a Flint? Je suis en train de regarder les compositions. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Flint? Daisy. Donc c'est sûrement une personne qu'on cherche, oui. C'est écrit. Oui. Je regarde le nom. Je regarde les membres là. Todd Berry John, non. Non. Andrew Tinker, c'est les anciens. Annie Clark, Austin Brown, Carlos Jackson, Chris Curiel, Christopher Penn. Christopher Penn? Pourquoi ça me fait penser à Sean Penn, mais du coup c'est possible que ce soit pas ça. Hein. Corson, Book, Primer, même maybe l'image est orientée. Oui, bah c'est ça ressemble à... Ça ressemble à Polyphonic Spree, quoi. Mais après, pour l'instant, je regarde les membres.
Eric Courson, Jack, non, Jessica Berridge, Esther Butcher, Duquesneville, Maria Jeffers, Turner, Ivy, Kirkham, Albrooks, Berridge, Jill Lawford, Donaldson, ça doit être ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que c'est Donald. C'est pas ça. Fitzgerald, Azura, Nelson, Sinclair, Garson, Yuali, Piro, Schwarden, Keith, Ripka, Doyle, Jordan, Kirkland, Job Penn. Ah! On retrouve Penn. On va essayer Penn, hein. Je sais pas pourquoi ça m'avait tilté tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Maybe l'image de... Oui, bah oui, Donald, Daisy. Peut-être qu'il faut juste que je cherche Daisy après en prénom, mais... 2 minutes. Buffy, Jacob, Daniel, Hart, Wakeland, Isley, Wilson. Ok. Même gars. Autre. Donc l'autre de... Donc Tripping Daisy est un groupe de rock. Ok. Donc même gars. Autre groupe. Même gars. Autre groupe. Quel est son nom de famille? Donc c'est pas le même gars, c'est pas Westberg Berkenstein, Bergrun. C'est pas l'air d'être ça. Donc là c'est Polyphonic Spree. Et on va lire un peu. Tripping Daisy. Emmené par Tim Gillofer, donc ça peut aussi que ce soit ça. Alors, on va essayer Tim Gillofer. De toute façon, il y a besoin de la place, là, j'ai l'impression. Composé de... Emmené par Tim Gillofer, ancien membre de Tripping Daisy. Donc, ouais. Donc, Tim. Alors, Gillofer, c'est bon. C'est le même gars, autre groupe. Quel est son nom de famille? Mais du coup, ça devrait être bon. Regardez l'image. Oui, c'est ça, Tim Gillofer. L'image est toujours, et c'est celle-ci. Un peu christique comme histoire. Hein. Ça a l'air d'être ça en tout cas. Pourquoi ça marche pas? Faut que j'écrive en anglais, de rigoler. De l'offer, ça marche pas. Je réessaye. Il demande juste son nom de famille. Ah oui, c'est parce qu'il y avait Tim en plus qui était pris. Voilà. Et ça marche toujours pas. Donc lui, il a fait un autre truc. Qui a fait Polyphonic Spree. Ok. Mais du coup, même gars. Ok. Autre groupe. Ok. Quel est son nom de famille? À 100 majuscules, tu crois? Maybe. Je tente. Sans majuscules, c'est vrai que c'est pas faux. Hein. Moi, j'ai pas essayé sans majuscules. Je vais écrire comme ça. Hop, coller. Je vais enlever les majuscules. L. D. Oh, ceci! Niveau 50. Alors, il est 16h57, j'ai prévu d'arrêter à 17h, ça va être compliqué d'aller plus loin, mais on va essayer quand même de finir celui-ci, ça serait cool. Là, il n'y a rien en plus, niveau 50. Et il y a une erreur 404, révision des 50. Donc on regarde le code, hein.
regarde mon code. Plus d'indices. Alors, hop, hop, text used, indice.swf. Ah! Et si je change dans mon code et je mets deal of. Parce que là, c'est pas le bon du coup. Parce que normalement, on est censé être sur le deal of. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, ça n'a rien changé. Je l'ai bien écrit, D-L-E. Oui, c'est bon, j'ai écrit bien. A-U, hein, je précise, hein, j'ai pas fait de faute. Là, c'est indice, ça veut dire que. Faut tout vérifier, peut-être. Aide. Prévision des 50. C'est une histoire de voiture. Je crois que c'est ça, non? On révise pas les. C'est pas les 50 km/h, mais 50 000. Je pense. Bon. On revient à 0. Prévision des 50. L'indice, c'est quoi déjà? Cette page n'existe pas. Je vais regarder dans le forum. Selon Nibbler, il faut regarder ce forum. Niveau 50. Ah bah là l'indice est plus qu'indispensable avec une ligne aussi vide. Mais l'indice c'est la page. Zut, l'indice ne marche pas, j'ai dû mettre l'autre extension. Oh tant pis. Ok. Ça ajoute le code. Alors j'ai écrit ça joue le code, mais je regardais déjà le code donc c'est très bien. Je vais vous montrer le code, comme ça on va le faire ensemble et c'est la fin de toute façon pour nous. Donc on va s'arrêter là après. On essaie de passer celui-ci, histoire 2. Bah, je veux pas l'afficher. Voilà. Donc, peut-être qu'on reviendra dessus. Donc là, on est sur la révision des 50, donc c'est la page de sans indice. Dans cette page sans indice, ça s'appelle indice. Donc déjà, ça c'est une blague. Faut aller dans la page des indices. On va peut-être aller voir dans la page des indices, on va checker. Donc là je suis dans la page des indices. Je vais mettre à jour du coup mon code s'il vous plaît. Il est mis là à jour. Non. Oui, bah, je regarde. Je suis en train de regarder. Vous montre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Erreur 404. Ok. Centre BR. Erreur 404, je ne sais pas, n'existe pas. Index. Ok. Favicon. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, l'indice en haut, c'est deal offer. Donc il faut changer peut-être indice, tout simplement. Parce que le nom de la page, c'était indice. Hein. Le nom du SWF, c'était indice.d. Enfin, bref. Je vais essayer de le remettre, comme ça vous allez comprendre. Hop. En fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui est clairement indice SWF, comme on avait vu. Je suis en train de regarder justement là, indice ES. Et donc, du coup, j'ai mis i indice pour voir si c'était cette page là. Et là, on est dans la page i indice. Donc là, logiquement, donc,
HTM. Et c'est HTM qu'il faut changer? Je vais regarder du coup pourquoi c'est. Quel est... Ah oui! L'indice n'est pas le bon. Oh, j'ai fait l'erreur depuis le début. Il faudrait que je vérifie toutes les 50 là. J'ai fait cette erreur depuis le début, tout est à refaire. Bah, du coup, on peut changer ça. Hein. Peut-être pas depuis le début, s'il vous plaît. C'est l'enfer, faut que je recommence du début. Bah du coup si c'est tout est à refaire, faut que, bah, on va reprendre du début, on va voir si c'est au début justement le problème. Ok. Je... Donc c'est pas ici. C'est sans doute là. Regarde le code. Ou juste... itet HTML, on va voir. Je regarde le code. Y a rien. Je cherche désespérément au début. Mais je trouve pas pour l'instant. Dans les différents HTM. Et je suis... au niveau. Je le précise que je suis au niveau. Ici débute l'histoire. Donc là logiquement par exemple il faudrait que j'essaye de voir si on peut avoir un index.htm tout court. J'ai checké le code source libre. J'ai check. Je le check encore. Là, il n'y a rien. Dans l'erreur 404, il n'y a rien. Une indice par page. Bon, on va essayer ici d'abord. Ça, c'est un port 80, donc c'est carrément... regardez là. Une lettre. Oh, faut sélectionner encore. Toi, t'es au taquet, j'ai l'impression. Bon, alors du coup, ici, on a... Si on, logiquement, c'est pas là, c'est que dans les indices, si je comprends bien. Donc on va tout sélectionner, on va voir. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettres. Pas ici en tout cas. Par contre ici, si je mets le M. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettres non plus.
Je regarde un peu partout, je trouve pas. Donc, c'est pas ici. C'est pas là. Peut-être dans le 2. Et niveau 2. Je ne vois pas. Niveau 3. Alors déjà, oh mince. Déjà, on va changer ça. HTML. Parce que c'est sur les pages Gérard, je pense. C'est pas ça. Donc, voilà. Revenons à 0. Ah! Je fais n'importe quoi. C'est la fatigue qui commence à arriver. Hop, hop, hop. Donc on est d'accord que c'est pas ici. Là, il n'y a pas d'erreur ici. C'est pas une erreur 404, donc ça ne devrait pas être ça. Jouer. Donc celle-ci, ça pourrait être HTM. Ça va faire une erreur 404. Là, logiquement, il faudrait que je trouve une lettre. Il n'y a pas l'air d'avoir de lettre. Je vais regarder le code. Le gestionnaire de tâches, non merci. Le code source de ça. Je regarde. Centre. Il y a pas l'air d'avoir de lettre non plus. Check tout. Bon, là, HTML, il n'y a pas grand chose. Je regarde là actuellement, il n'y a rien. Enfin, pas de ce que je vois là spécifiquement. En tout cas, merci Nibbler d'être là. Dans l'indice, si je mets dans l'indice le L. Je me retrouve avec une erreur. Je check le code. Erreur 404. Réfléchissez. L. Trouvé. Donc ça, c'était le premier. Faut qu'on aille au deux. Ça, option. Ah, là. On revient ici. Donc là, c'est niveau 3. L'indice. L. L'erreur, on devrait trouver la suite. R. Donc là, je suis en train de regarder le commentaire qui est dans toutes les erreurs en fait. C'est juste ça, c'est le code source. Ensuite, c'était niveau 4 à l'envers. Donc U A E V I N. Ça, c'était ship. Et du coup, avec le L là-haut, je rajoute ce que je trouve dans le code sur le chat pour l'instant, parce que je l'ai pas, mais je le note pas direct. Et la ré. Ah, c'est long. On doit tout refaire. On doit tout faire. Mon Dieu, jusqu'à 50 là. Ça, c'était cheap. Mais je m'en rappelle. Hein. Je m'en rappelle. Ça c'était petit escargot, je vais pas le refaire, hein. Je suis en train d'avoir des habitudes de... voilà. J'espère qu'il va faire une très très longue phrase.
En fait, on va faire un truc très simple, je pense que je vais faire. Je pense que c'est un P ici. Voilà, ok. Donc, on va faire un truc très simple. Je vais avancer plus vite. On va aller chercher directement le niveau où on est. Donc, la réponse est le mot et on doit chercher la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On doit aller au moins jusqu'au niveau 17. Ok, bon, on repart. On refait la même chose que tout à l'heure. Volaille. Donc là, ça fait haut. N. Ça, c'était téléphone. S, lapin. Autant. EMPES. Donc ça c'était E. On va vérifier là où on en est. Le mot il a l'air d'être incroyablement long, hein. La réponse est. Hop. Ouais, E, c'est bon. C'est bon, hein. Pour l'instant on est bon. Ça c'était O. E encore, ça c'était télévision. Point HTML, je crois d'ailleurs. Point HTML. C'était pas télévision? Si, c'était télévision, je l'ai mal écrit. Je vois plus rien, moi, je vois plus hein, mon écran, c'est pour ça. Voilà, télévision, j'allume. Donc ça c'est S normalement. Hans. On revient à la base. T. Et je vais juste ouvrir ça pour vérifier. Hop, hop. Et là normalement on est à T. Non mais. Par contre, s'il te plaît. En fait, non. Lance, voilà. Maintenant, tu me mets le L, s'il te plaît. Merci. L'erreur. Le code. Je regarde le code. L. Et là, on est à L. Donc, L, E. Ensuite. Que fait la police? Voilà. L. Outils de développement et là normalement c'est E et là ça c'était lapin encore on va regarder l'indice d'ici. Mais pas gestionnaire des tâches, pourquoi j'ouvre le gestionnaire des tâches comme ça? Je dois finir dans 8 minutes presque. Ah non, c'est déjà avoir fini. Et la 5? La 5? Ça c'était chapeau, petit papier. On va créer que des erreurs 450, c'est génial. Hop, je vais mettre le L, j'ai oublié de mettre le L. Hop, alors faut que j'enlève mes trucs.
cinquième. La cinquième. Ça, c'était particule. Je suis désolé hein, de recommencer tout à zéro parce que je ne me doutais pas. Donc ça, ça devrait être M. On vérifie juste. Ouais. Donc ça, ça va être le E. On essaie juste de passer celui-ci. Après, c'est bon, s'il vous plaît. E, et là on recommence avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Gabon. Donc on rajoute pour les points L. Cinquième, normalement c'est bon. Ouais. Énigme, j'imagine. C'est possible que ce soit ça. Si c'est un N, c'est possible que ce soit énigme. Ah, j'ai oublié de changer le... Hop. Et le cinquième élément ? C'est l'amour. Attends, on va essayer direct. Si c'est ça, si c'est ça. Point HTM du coup. Ah non. Alors attendez, je regarde vite fait ici. J'ai l'impression que c'est ça, un cinquième élément. Donc on va checker. Je crois que j'ai déjà fait celui-ci. Je l'ai écrit pour au cas où. Ça se trouve, Nibbler va me faire un petit geste. Palette, on va voir. Si c'est un A, c'est possible aussi. Si c'est. Enfin bref, on va regarder. Ouais, pour l'instant, on est sur ça. Hein. Cinquième élément. On est dessus. J'enlève tous les autres trucs parce que. Voilà. Ça, c'était machine. Avec un S, là. Sans S. Je crois que Nibbler il a abandonné. Ok, indice L. Je finis juste ça, s'il vous plaît. Juste ça. On est à la fin. Et la cinquième lettre de l'alphabet. Ouais. A, B, C, D, E. C'est pas E non plus. Bon, attendez. C'est possible que ce soit E. Et que ce soit dans le code. Donc, on va regarder vite fait. Je croise les doigts. Ouais, bah ouais, je peux bien. Ça. Ça doit être la cinquième lettre du mot, ça doit être un truc comme ça. Donc on va aller jusqu'à 21, jusqu'à 20. Hein. On continue, ça c'était normal. Donc T normalement, chapeau. M, L, T. Donc là ça devrait être... Pourquoi il m'appelle toujours chapeau, s'il te plaît.
Mais. Oui, elle existe. Mais du coup, ah! Non! Oui, bon, on va faire tes indices ici, hein. Donc lettre de. Donc là, ça doit être un R, normalement. C'est dur. C'est dur la fin. Voilà. Enfin, j'espère que c'est la fin. Oui, c'est ça, R. Ok. Donc, lettre. Pâte. Donc ça c'est E, chat, et là on se retrouve avec quelque chose de nouveau. J'espère pas que ce soit après 50. Là, on devrait avoir passé le mot lettre. En même temps, ça m'étonnerait pas, j'avais mis 93. Je regarde le code. D. Donc après, alphabet. Ok, tu as encore des infos. Alors, donc là, c'est DE, normalement. C'était décibel. Ça te fait arriver à 35. Je peux passer au direct 35 là? Ok, bah si ça me fait arriver au 35, je peux y aller direct. C'est Invisible Secret ici. Hop. Parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. On l'a déjà fait tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à faire. Donc à part si on arrive jusqu'au 35, c'est bon. Hein. Si c'est juste ça. Hop, il est où mon L? D'ailleurs, je crois que j'ai même le code du 35. Hein. MP3. Je vais regarder dans mes notes. Comment ça s'appelle? Malade? Ça c'était Kitty. Chaville. 36. Merci Nibla. C'était arbre. Ça commence là. Best of. Oui, bah 2 minutes le chat, t'inquiète, on a bientôt fini. T'énerve pas, je sais que moi aussi je suis un peu énervé là, mais on arrive à la fin. On arrive à la fin. S'il te plaît. Alors, et. Alors, la réponse est la cinquième lettre de l'alphabet. Et donc ça c'était le ET, j'imagine. Ça c'était la réponse était alpiniste. Alpiniste, si tu peux, s'il te plaît, écris-le bien.
Alors je regarde l'indice. Je mets le L. Je regarde la console. Il n'y a plus rien. I love you. Pourquoi I love you? Ah oui, non, mais parce qu'en fait, on n'est pas sur la bonne là. C'est pas le bon code. Ok. J'étais en train de me dire, c'est bizarre ce qui se passe. Il n'y avait plus de lettres. L. Ok. Ça, c'était verge. On ouvre lundi, s'il te plaît. On met le L. On regarde le code. E. Et le. Papillon. Ça explique le 38 en fait. Du coup. Parce que là, il y en a plein. Ah là, il n'y a plus d'indice. Ok. Je l'avais écrit en plus tout à l'heure. Là, j'ai toujours pas d'indice, la réponse n'est pas difficile, c'est facile. Et on va arriver au 38, la fin. Il suffit d'aller au prochain niveau, au 42. J'aurais dû passer directement à... Voilà, ça c'est épaule. On va regarder l'indice. Oh là là, mon dieu. Code. Outil de développement. Le. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Il n'y a pas d'indice là dans le 39? J'ai bien changé pourtant. Ah non, c'était l'autre. Okay. Je me suis trompé de code. D'indice. Ok. L. Peut-être E. Hein. M. Et l'énigme. Oh! Alors, c'est une fois à droite, trois fois à gauche. Une fois à droite, trois fois à gauche. Ouais, tu m'as dit 36, 36 d'ailleurs. C'est énigme. J'y arrive en toute façon. Ça c'était. Arrête le chat, s'il te plaît, le chat. Le chat, s'il te plaît. 3 secondes, on a bientôt fini. Balade en bateau, mais ça on a déjà fait. On va juste regarder vite fait. Pac, 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 pac. C'est pas énigme. Alors, attends que je vérifie du coup. Oui, je suis pas changé ça, c'est vrai. Et les noms. Et... Mais le chat, calme-toi. Ça c'était argent. Non, c'était pas argent, c'était nouveau. Ça c'était argent. Pourquoi?
Je vais essayer, hein, on va voir. Mais je me suis peut-être trompé, hein, Nibbler. Là, je suis à B au 42. C'est pas N. C'est pas O. J'ai peut-être laissé un truc ouvert. C'est possible. Tu dois normalement trouver autre chose qu'une lettre. Je suis au 42. Juste pour qu'on soit d'accord. Donc 42, je vais revérifier. 42. B. 41B plutôt. C'est pas... Attends, 41, je reviens. Mundo, L. M. M41. Bah, qu'est-ce qui se passait, hein? Et pas B pour le 42? On est perdu, oh non. Je vais essayer celui-ci, O, M. Pour moi, celui-là, c'était O. Celui-là, c'était O. Je vérifie. Hein. Celui-là, c'est bien le 40. Niveau 40 égale O. Égale O. Pour moi, c'est le nombre du coup. Je regarde dans les indices parce que c'est les indices qu'il faut que je regarde. Je mets le L. Égale M. Ça c'était nouveau. On l'avait testé, c'était B normalement. Nombre pour moi. Donc celui-là c'était argent. On va faire BRE vite fait. On va juste vérifier au E. On est au bon endroit. Ça c'était chat. B R. Et la porte. La porte c'était... Alors je m'en rappelle plus déjà de la porte. Je m'en rappelle plus de la porte.
Je me rappelle plus de la porte. C'était quoi la porte déjà? Oui, bah oui. Ouais, bah ouais, on est bloqué au même endroit que tout à l'heure. Je sais. Je sais, je sais. Mais on a fini là, t'inquiète pas le chat. Voilà. C'est quoi la porte déjà? C'est quoi la porte déjà? Ah mon Dieu, je m'en rappelle plus. Attends, il y avait plein de trucs à faire avec la porte, faut que je regarde le stream là. 2 minutes le chat. On va regarder vite fait. On va vite fait regarder le stream pour aller vite parce que faut que je finisse. Mais chut, ça va, ça va, ça va, t'inquiète. T'inquiète. On a bientôt fini. La porte, c'était le truc où on était le plus bloqué tout à l'heure. Et du coup, c'était pas une question de c'était soi-disant la lumière. C'était avec le point, pas le point, le fallait corriger un truc. Fallait corriger un truc, mais je me rappelle plus quoi. Bon, 2 minutes. Je regarde. Parce qu'on avait regardé à Combray, on avait regardé plein de trucs. Voilà, je m'en rappelle plus du tout. On avait regardé l'écrit. Et on l'a fait tout à l'heure, je suis incroyable. Incroyable. Je pense que c'était une histoire de correction sur quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah oui, c'était sur la porte d'entrée. La porte d'entrée, il y avait marqué. Il y avait marqué quelque chose. Je me rappelle plus ce que c'était. La France. Mais tu te calmes. Sur la porte d'entrée du jeu, on va aller rechercher, puis voilà. Bon, on va y arriver. Voilà. La France, ouais, c'était ça, la France. Et après, ça commence à jouer. Donc là, France, hop, hop. On vérifie l'indice. Oh mon Dieu, je pensais pas aller refaire les 50 là. J'avoue, 5. La France, c'est bon. Donc, et le nombre 5. Donc ça serait F5. Faudrait relancer la page juste. J'espère que c'est que ça. Mais ça va, le chat, t'inquiète. Là, on met tout en majuscule. Mais ça va, on va te donner à manger dans 2 minutes. Je sais, c'est toi que tu attends, je sais. Dans 2 minutes, t'inquiète pas. Oui, ça va, t'inquiète. Je finis juste ça, je sais que je suis en retard, hein, 2 minutes. Que je suis en retard. 58. A, B, C, D, E. Oui, E. E 58. Pour l'instant. Ça, c'était. On avait mis à l'envers. Les pires, si je m'en rappelle pas en fait. Celui-ci, on l'avait mis à l'envers. C'était dans le code, je crois qu'il fallait que je modifie quelque chose. Ouais, il y avait marqué aide. Oh là là. Et oui, c'était l'indice. Et dans l'indice, et en fait, il faut le mettre vrai. Je vais regarder vite fait. Alors d'abord, on va mettre le faux. Et on va regarder.
peut-être que j'ai déjà fait, et peut-être que c'est le faux du coup. Ouais. Et du coup, le vrai. Mais ça va, le chat, t'inquiète. T'inquiète pas. Mange pas le micro, c'est tout. Voilà. Le vrai. Ensuite, le vrai, ça serait 51. Donc E51. Ou 581, je sais pas. voilà. Ah, au fait, vous avez appris, voici, il faut aussi voir la source des erreurs. Donc on va aller voir la source des erreurs. L'énigme est écrite là. Dans la source, énigme suivante. 47, donc celui-ci je vais ouvrir, parce que j'ai pas envie de le faire, celui-là je l'ai déjà fait. Hop, 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 outil. Je crois que Nibbler est précédé. 5. Oui, j'ai oublié de mettre le L, mince. .html, ok. Ah oui, non, excusez-moi. J'ai essayé d'écrire .html juste, mais ok. Alors, vous n'êtes pas aidé, et on va essayer donc du coup de mettre E58 ou E51. E51.html. Et du coup, .html. C'est la blague. Je regarde le code. Alors c'est pas le L du coup. Ah oui, faut que je mette tout en fait. L'énigme suivante .html, c'est ça. On était à là. 47. Ça c'était je sais plus. Alors attendez, je vais revenir à juste là où on était en fait. Parce que là on a tout trouvé. Et on est revenu tout en arrière. Écoutez-moi, nouveau. Bah non en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu toutes mes pages. Non, mon trip, ouais, c'était ça. Ça c'était de l'offer. Ah non, mais attends, je peux avancer encore. Voilà. Et là, c'est ici où j'étais bloqué. Et donc, c'est E51.html. E, pourquoi R? Parce qu'il y avait le faux avec le 8 qui, justement, nous piégeait. Et voilà. Et nous sommes à l'énigme 51, palier 50. Il n'y a désormais plus de tableau d'honneur pour le palier 50. Vous pouvez remercier les tricheurs et les sites dédiés à fournir les solutions des énigmes. Ils sont responsables de la disparition de ce tableau qui ne voulait plus rien dire. Si vous êtes un vrai joueur et que vous ne devez votre passage ici qu'à votre cerveau et au forum officiel, je vous présente toutes mes félicitations. Il reste du chemin à parcourir. Bon courage. Et voilà. Le palier des 50. Bon, on l'aura fait. Je vais sauver... Je vais sauver ici, je vais d'abord split là. Et nous on. Alors split s'il te plaît. Alors, voilà. Et je vais sauvegarder. Et on aura tout refait. Oui. Je m'en fous que ce soit pas le bon. C'est pas grave. Je vais remercier Nibbler. Je vais remercier à tous ceux qui sont passés pendant cet enchaînement de 50 énigmes, 50 énigmes. Du coup, on a fait que le. On a fait du coup juste le palier 50. Apparemment, on doit aller jusqu'à plus loin. Ce serait bien qu'on essaye de faire plus, mais on verra comment ça se passe pour la suite de tout. Déjà, on a fait 50 en moins de 3 heures. C'est déjà pas mal. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part au revoir, à plus, faut que j'y aille, il y a mon chat qui a faim, donc
Merci à Nibbler, merci à Petit Cancanou qui était souvent là aussi. Du coup, on essaiera de voir comment ça se passe. Je vous souhaite un bon réveillon si vous passez le réveillon. Faites attention à vous surtout. Sortez couverts, comme on dit. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, comme dirait Grams. À plus. Je coupe le son.